Bonjour à tous, alors voilà le petit cerisier en parasol, donc vous voyez, ça, il a bien fleuri, hein, il est donc en pleine floraison. J'ai évalué à la louche comme ça, il y a à peu près 2000 fleurs, donc ça nous fait, sachant qu'il y a à peu près 120 cerises au kilo, donc ça nous fait quand même plus de 10 kilos de cerises si tout va bien. Donc nous sommes le 12 avril. Hein, vous voyez que c'est une floraison assez tardive pour ce type d'arbre. Hein. C'est un cerisier Delphingen, donc plus tardif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il a besoin de l'intervention d'une pollinisation. Lui, il n'est pas auto-fertile, il a besoin d'une pollinisation croisée avec le Napoléon, le Burla, et peut-être d'autres variétés, mais au moins ces deux-là. Et donc c'est déjà un peu plus complexe, hein, que d'autres arbres. Donc si vous voulez, moi j'ai fait mon boulot, hein, donc le maître des fleurs, voilà, les fleurs sont là, maintenant il y a donc besoin d'une pollinisation, qu'il ne faut pas qu'il gèle, il faut qu'il y ait pollinisateurs, et puis si tout ça se passe bien, eh bien il y aura plus de 10 kilos de cerises sur ce petit arbre. Vous voyez que c'est vraiment incroyable, parce que là vous pouvez les cueillir, hein, vous voyez, il a cette branche-là par exemple, elle est à 1m70, 80 à peu près. Là, c'est 1m60, hein, vous voyez, donc vous levez la main, vous cueillez les cerises. C'est ça l'avantage de la forme parasol, c'est que vous avez vraiment une profusion de cerises à portée de la main. C'est pas comme les grands cerisiers où vous êtes obligé d'aller chercher les cerises à des hauteurs incroyables. Donc c'est que du bonheur, hein, il est couvert de cerises, enfin de fleurs, pardon. Alors j'espère évidemment que le temps va continuer parce qu'aujourd'hui il fait très beau. A priori, ils annoncent un peu plus froid pour mardi, mercredi, mais pas de gelée. Donc il y a des butineuses, hein, j'ai vu des butineuses, j'ai vu une abeille ou deux déjà. Il est 11h du matin, donc du bonheur. Ok, bah écoutez, voilà, maintenant c'est tout ce que je peux vous dire sur ce petit arbre-là. Et j'espère qu'il va donc être couvert de fleurs. Oui, ce petit arbre, bah, il va être fantastique, hein, si le temps le permet. 10 kilos de cerises, plus de 10 kilos de cerises, c'est vraiment très intéressant. Mais écoutez, moi je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous dis de faire attention à vous, et puis une bonne fin de confinement, et j'espère beaucoup de bonheur. À bientôt pour de nouvelles vidéos.